Comme ça a été évoqué lors de ces assises, plusieurs projets ont été défendus, plus de 80 projets, plus de 20 millions d'euros injectés sur le territoire, sur le premier territoire d'industrie de 2018. Donc ce soir, je suis intervenue pour présenter le plan climat air énergie territoriale du GOSB qui concerne 24 villes du territoire et qui est destiné à sensibiliser tous les acteurs en matière de transition écologique. Mon travail, c'est de mettre tout le monde autour d'une table et de travailler à développer des projets. Alors le territoire du Grand Orly Seine-et-Bièvre est un territoire extrêmement dynamique. Je le vois comme un écosystème avec un vrai potentiel de développement sur nos activités. C'est une image de marque qui est absolument excellente. On rencontre un accompagnement très fort du territoire auprès du réseau. Pour nous, c'est un atout indéniable. C'est un territoire qui est très marqué dans l'innovation. Et avec le soutien du territoire Grand Orly Seine-et-Bièvre, nous mettons en place un cursus d'insertion. On a une place vraiment pour tous et toutes dans nos métiers. On voit à travers notamment ces assises du développement économique et de l'emploi du territoire qu'il y a des volontés, il y a des gens qui sont prêts à discuter, à soutenir des projets et à travailler pour que ces projets se concrétisent.